pas de poissons exceptionnels de 70-80 cm. Il y a beaucoup de poissons calibrés entre 18 et 28. Les truites vont rarement être grosses. En Bretagne, on a des eaux qui sont assez acides. Donc du fait que bah, les poissons ont du mal à grossir, quoi. Voilà, déjà pour commencer, j'essaye de peigner un maximum de couches d'eau. Sans trop d'animation, ramener en linéaire dans le coin. On se met en action de nage tout de suite. Alors là, je pêche dans à peu près 70-80 cm d'eau. Sous les cailloux, c'est blindé de gamards et plein d'insectes. Donc le poisson est calé la tête dans les cailloux en train de gratter, donc faut vraiment aller chercher au fond. Faut pas hésiter à laisser le leurre taper le fond et bien gratter autour des cailloux. Si vous êtes habitué à pêcher avec des petites cuillères tournantes, et ben moi je l'utilise de la même manière. Pour moi, je le pêche en lancer ramené. Dans le courant, la bavette elle nage toute seule. Donc, poisson. Une jolie truite Fario. Avec un petit power tail, 3,8 grammes. Pour moi, c'est la taille et le poids qui passent partout pour les rivières bretonnes. Voilà, on arrive sur un secteur avec pas mal de jus. Hein. Il y a un petit barrage au-dessus, donc des petites accélérations du courant, de l'oxygène, donc il doit y avoir du poisson de caler dedans. Donc je vais essayer de pêcher bien la berge qui est sur la droite là, et normalement devrait faire du poisson. Poisson. Toujours bien se mouiller les mains avant de les prendre, les poissons. Une petite bretonne, bien jaune, avec ses beaux points rouges là. Poisson. C'est plus joli déjà. Yes, belle couleur en plus. Bien coffré comme il faut, avec le 3,8 grammes en fast. Premier lancer, hein, bien piqué, donc c'est un poisson qui fait pas loin de 27 cm je pense. Hein, avec le ventre bien jaune, hein, c'est caractéristique des truites Fario de Bretagne avec les points rouges. Et le dos un peu plus noir. Poisson en très bonne santé.